Nous sommes dans, dans Actes chapitre 16, comme hier. Actes, le livre des Actes des apôtres, le chapitre 16, à partir euh, du verset 25. Donc Pierre, euh, comme à Paul et Silas, se retrouvent en prison. Parce qu'ils ont été utilisés par le Seigneur pour délivrer une femme pitomane, une femme qui avait en elle l'esprit de python et qui prophétisait et qui faisait gagner de l'argent à ses maîtres. Et euh, les gens allaient la consulter pour se faire pour reconnaître leur avenir. Donc elle était un peu comme une médium, une voyante. Et Pierre, Paul arrive dans cette ville de Philippe, donc prie pour elle, et Dieu la délivre. Et ces maîtres vont être en colère, ils vont porter plainte contre les apôtres, et ils vont se faire arrêter, et euh, frapper, blessés Et euh, on nous dit que euh, au milieu de la nuit, ils vont prier, Paul et Silas, prier, chanter, et tous les prisonniers les entendaient. Et, euh, et on nous dit, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant. Toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous furent rompus. Le géolier se réveilla et voyant que les portes de la prison étaient ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, croyant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte Ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici. Alors le géolier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment dans le cachot et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Et il le fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé Et ils lui annoncèrent, donc Paul et Céleste répondaient, pardon, crois au Seigneur Jésus Christ, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et qu'est-ce qu'ils vont, ils vont faire au verset 32 Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur. Pourquoi Parce qu'ils ont parlé d'abord de la foi. Hein crois au Seigneur Yeshua, tu seras sauvé, toi et ta famille. On a vu hier que... Et euh, le verbe sauver, c'est quoi Sozo, qui veut dire hein, être délivré de, du danger de la destruction. Voilà. Donc il y a un danger qui menace, qui menace les gens il y a un danger qui nous menace tous. On a parlé hier de, de la destruction physique hein, et aussi de la destruction éternelle. Hein, Paul dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 9, hein, qu'il y en a, bah, ils, vont avoir, euh, ils vont être détruits éternellement. Et ça, c'est terrible, donc le lac de feu. Et cet homme, ce géolien, ce romain, qui a assisté à ce miracle, s'est rendu compte qu'il y avait une puissance à laquelle il était étranger, une puissance qui était au-dessus de, de son autorité, de son pouvoir, et il demande justement à être sauvé, n'est-ce pas, à être délivré du danger, de la destruction, aussi bien de sa famille, de sa maison, que de la destruction éternelle. Et il parle de, aux, des apôtres comme s'ils étaient des sauveurs, Seigneur, que faut-il que je fasse Et Paul et Silas n'ont pas accepté cette, mes amis. Euh, C'est honneur, parce qu'il ne le mérite pas, on ne le mérite pas. Et il prêche, il parle de Christ, le Sauveur véritable. Crois au Seigneur et au Choix, c'est-à-dire mets ta confiance en lui. Et on a vu que mettre la confiance en Dieu, ce n'est pas toujours facile, parce que la chair, ré, et, 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 la chair résiste, s'oppose. Et pour que cet homme maintenant puisse avoir cette confiance-là, eh qu'est-ce qu'il fallait faire Il fallait lui présenter l'Évangile. Et on nous dit qu'ils lui ont annoncé la parole du Seigneur et non la parole des hommes. Et comme vous le savez également, dans nos églises, pratiquement, on, a, on, on annonce plutôt la parole des hommes. C'est pour cela que beaucoup ne changent pas. Pas de transformation. Hein donc il faut la parole du Seigneur, cette parole. Et Paul dit dans Romains 10, 17, que la foi vient justement de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, justement. Cette parole qui est tranchante, cette parole qui est pure. Hein, qui, qui n'est pas, pas, pas mélangé, cette parole qui, qui est sainte. Et euh, ben, ils lui ont présenté choix ils lui ont présenté le Seigneur. Donc il a reçu la parole, cet homme-là. Et ensuite, on nous dit, ils lui annoncèrent la parole du Seigneur et à tout ceux qui était dans sa maison. Donc cet homme qui était le chef de famille a ouvert sa maison à l'évangile. Et il y a les gens qui disent Oui, vous savez, le Seigneur nous a donné une promesse, que si nous croyons en lui, toutes nos, toutes nos toute, toute notre famille va être sauvée. Mais il ne leur annonce pas l'évangile. Ils pensent que la promesse en question est, euh, comment, dire, euh, comment dire, sans condition. Il y a une condition, elle est conditionnée. Il faut, premièrement, vivre cette parole que les gens voient notre comportement, comme on en a parlé hier. Les femmes dont les maris sont rebelles à la parole, Pierre 1, Pierre 3, et qui n'arrivent pas à les gagner, hein, ben, peuvent les gagner par leur comportement. Donc c'est cela aussi, c'est un moyen beaucoup plus efficace d'évangélisation, le comportement, les fruits. Voilà, par les fruits. Et là les gens vont voir la simplicité, l'humilité, la crainte de Dieu, et, et, et le pardon, la consécration, l'intégrité. Et ben ils vont commencer à se poser des questions, voilà. Et euh, ensuite, on proclame cet évangile. Et cet homme étant le chef de famille, le chef de sa maison, a ouvert toute sa maison et il dit aux apôtres Mais annoncez-nous voilà, la parole, comme Corneille. C'est cela. C'est pour cela que Paul l'a dit si tu crois ben, toute ta maison ben, peut euh, ta, ta, toute, ta, toute ta famille, toute ta maison sera sauvée. Donc dans cette maison il n'y avait pas que sa femme, ses enfants. Il y avait comme on l'a vu hier, il y avait aussi ses, 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 ses serviteurs, ses esclaves. Et hein, donc euh, voilà des gens qui s'occupaient de sa famille, de ses enfants, tout le monde. Il a convoqué tout le monde. Ils ont écouté la parole. Ils ont vu comment cet homme était transformé. Donc forcément, tout le monde était touché. Et on nous dit par la suite, voilà, voilà la conséquence de la prédic prédication de l'Évangile. Ici, tout de suite, on nous dit à l'heure même. Hein. C'est ça, non Voilà. Le verset euh, et, euh, 33. Et après cela les, les prenant en cette même heure de la nuit. C'est-à-dire, ils n'ont même pas... Ils étaient tellement touchés, il y avait tellement le réveil, la famille était tellement touchée, cette maison touchée, visitée, que tout le monde se dit, non, non on veut le baptême tout de suite. Souvenez-vous qu'il était minuit, hein, Et qu'il n'y avait pas d'électricité, pas de lampadaire, rien. Donc, ils ont dû prendre leur lampe à, 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 à huile. Hein, donc, euh, lampe à l'huile, tout ça, ils ont pris ça. Ben, imaginez toute cette foule-là, cette maison, parce que cet homme était quand même un grand. Donc, euh, il devait avoir, je ne sais pas, des cousins, des cousines, des tantes, tout ça, des oncles, parce que c'est ça, ça aussi les orientaux. Hein. Donc, euh, voilà, et euh, tout là, tout le monde, tout le monde faisait la queue. Alléluia, Amen, parce qu'ils chantaient, Paul et Silas. Donc, j'imagine que hein, de la maison à, à l'eau là-bas, là ils devaient chanter les louanges du Seigneur, et puis. Euh, Réveillant en même temps certainement les voisins et qui ne comprenaient pas trop ce qui se passait. Et puis, euh, tac, dans le nom de Yeshua, on vous baptise. Tac, dans le nom de Yeshua, on vous baptise. C'était magnifique. La famille est restaurée parce que l'évangile est arrivé là-bas. Donc, euh, la famille, pour qu'une famille soit restaurée, il faut l'évangile. Voilà. Il faut l'évangile. Il faut le témoignage. Et, euh, et là, bah, qu'est-ce qui se passe Donc, conséquence de la prédication de l'évangile. Eh bien, baptême. Et euh, on nous dit qu'il fut baptisé avec tous ceux de sa maison. On aurait pu dire de sa famille. Mais c'est toute la maison. Il n'y en a pas un qui, qui, qui se dit non, non, mais moi je suis pas de la famille. Non, non, tout le monde, allez, tac. Les ayant amenés dans sa maison, il leur servit à manger. Et il se réjouit avec toute sa famille de ceux qu'il avait cru en Dieu. Waouh! Donc vous voyez une autre conséquence la gap. On ne sait pas si cet homme mangeait avec toute sa, fête, toute sa maison. Hein, parce qu'en général, les esclaves mangeaient euh, voilà, dans leur coin. Et là, du coup, les esclaves, là-dedans, sont devenus frères. Comme onésime. Vous vous rendez compte Le réveil, dans, dans une famille, là, les bonnes sont devenues des sœurs. Donc, euh, tout le monde logeait à la même enseigne, tout le monde mangeait à la même table. Autour de la même, ta la même table, tout le monde était là, tout le monde mangeait. Imaginez les témoignages maintenant. C'était magnifique. Une autre conséquence, la joie il y a beaucoup de familles qui sont tristes la tristesse et là il y a la joie qui rentre tout ça là c'était magnifique un puissant réveil et euh, et là que se passe et euh, ben c'était la, la, la sortie hein, donc les, les apôtres étaient libérés tout ça là. donc bref il faut l'évangile pour que des familles soient restaurées. Mais quel évangile Si l'on vous parle de la dîme, de la bénédiction, tout ça, machin, vos, vos familles retrouvent des problèmes. Hein. Voyez. Si on vous parle d'être des, 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 des champions, d'être des champions, tout ça, des champions, ben hein, hein, la famille est le socle d'une nation. La famille est le fondement d'un pays. Un pays où les valeurs familiales sont méprisées, c'est un pays qui sera dans le désordre. Et malheureusement, ce qui se passe dans nos sociétés dites développées, civilisées, tout ça. Là. Vous vous rendez compte À l'époque où nos grands-parents, nos arrière-grands-parents n'avaient pas des bacs plus 15, bacs plus 20, ils vivaient en, en harmonie avec leur famille. Mais nous, on a tellement, la connaissance a tellement, c'est tellement développé, on a tellement développer, pousser loin notre connaissance technologique, médicale, scientifique, et euh, que ben, la famille est complètement détruite. Beaucoup de pères ne sont plus des pères. Beaucoup de mères ne sont plus des mères. Donc imaginez un peu cette confusion-là. Alors Dieu a prévu que les enfants grandissent dans, une, dans un environnement où l'homme est à sa place. Exerçant correctement sa fonction d'homme, de père, de protecteur, de défenseur, et la mère de celle qui bâtit son foyer, de celle qui parle avec ses enfants, qui ne va pas lever la main sur, sur eux, mais qui va discuter, qui va les comprendre. qui... Et vous euh, voyez ben, Aujourd'hui, ben, les hommes ne sont plus des hommes, et y des femmes qui ne sont plus des femmes. Donc, vous voyez cette confusion-là Eh bien, les enfants, Dieu a prévu que les enfants reçoivent l'amour paternel, l'amour maternel, pour qu'il soit équilibré, pour qu'il grandisse, mais aujourd'hui, c'est la confusion totale. même au milieu des chrétiens. et euh, donc les gens grandissent comme ça. Vous voyez, l'ordre que dieu a établi est renversé. il y a des lois. dieu a prévu des lois partout. vous savez, le monde est régi. Il y, des, il y a des lois. La nature fonctionne avec des lois. L'homme fonctionne comme une horloge. Vous voyez Le jour, on est debout. La nuit, on va se coucher. Les animaux, pareil. Tout ça, vous voyez, il y a des lois comme ça, là. Des lois de Dieu. Dieu le dit dans les, dans Jérémie. Hein. Il dit que si tu peux changer les lois de la création, eh ben mon amour envers Israël. Sera également euh, changé. Vous n'avez jamais lu ça C'est terrible. On parle de la gravité, on parle de la loi. Il hein, y, y, y a des lois partout. Regardez bien, même quand notre corps fonctionne comme une horloge. Ta, ta, ta. Les bébés, quand ils naissent, vous voyez, toutes les trois heures, il y en a, euh, il faut qu'ils se rêvent pour manger. Règle comme une horloge. Tout ça, il y a des lois comme ça. Là. Et les hommes, avec leur soi-disant intelligence, voilà ces bébés qui, qui, étaient, qui portaient des couches, qui faisaient tout dans leur couches, et qui ont grandi, qui marchent à quatre pattes, qui sont nés sans dents, sans cheveux pratiquement, hein, tout ça, qui balbutiaient, qui commençaient à apprendre à marcher, qui se tâtonnaient, qui se gamelaient, qui se blessaient parce qu'ils apprenaient à marcher. Un jour, ils commençaient à s'habiller correctement, à aller à la fac, tout ça. Et puis après, ils commencent à dire que Dieu n'existe pas. ils vont commencer à changer toutes les lois de Dieu. Et ces mêmes hommes, après, ils redeviennent enfants, ils perdent leurs dents, ils perdent leur, euh, vous voyez, tout, tout ça, leur euh, force. Et euh, de nouveau des couches parce qu'il y a une incontinence urinaire. Vous voyez, on retourne à retour, retour voilà, la, la, la boucle est bouclée. Et euh, tout ça, et puis quand euh, l'homme en question qui a bac plus 20, il y a 90 ans, le papa ça va, c'est qui ça Donc il faut un dentier, tout ça, il faut de la soupe maintenant parce qu'il n'y en a plus de dents. Vous voyez, les cheveux ça part. Donc vous voyez, c'est le retour. Hein et puis après, tac, c'est fini. Un petit euh, euh, moustique, on dit Zika qui a z -z -tang, zikanisé. Et là c'est fini. Et puis, c'est ce monsieur-là qui va nous dire bon, bah, qu'il va changer toutes les lois de Dieu. Voilà. Parce que les fondements sont renversés. Le juste, que fera-t-il Somme 11.3. Toute la Bible parle de la famille. De Genèse à Apocalypse, Dieu parle de la famille. D'ailleurs, 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 d'ailleurs. Et euh, on nous parle souvent des engendrements. Il engendra un tel. Il engendrait. Vous voyez les engendrements C'est ça, la famille. N'est-ce pas Dieu se présente à nous comme le Père Regardez souvent les enfants qui sont élevés sans parents, à moins qu'ils ne soient bien traités. Bien, mais c'est toujours difficile, il y a toujours un problème quelque part. Je ne dis pas que tous ceux qui ont des enfants, des parents, se comportent correctement. Mais s'ils ont eu des parents dignes de ce nom, s'ils sont corrects, je pense que ces enfants-là... Ils reçoivent l'amour paternel, maternel, ils sont assez équilibrés. Voilà. La famille. Quand vous avez des chrétiens qui négligent leur, leur famille pour le ministère, qui négligent leurs parents pour le ministère, est, tout est mélangé. Donc la famille, donc cet homme avec sa maison, a reçu la parole. Et tout le monde était sauvé parce que la parole a été proclamée dans cette maison. Ils ont reçu leur baptême. Il y avait la joie, il y avait la gap, il y avait... Euh, vous voyez, c'était magnifique. Et euh, maintenant... Il y a la famille bio physique, il y a aussi la famille euh, spirituelle. Et euh, vous savez, la notion de la famille chez les Hébreux est très, très développée et, et, et bien ancrée dans, dans, dans la mentalité, euh, dans leur mentalité. Et euh, quand on voit Noé, euh, il n'était euh, pas bien sûr juif, hein, Noé. Ça, vous le savez, non Abraham n'était pas juif. Hein. Qui ne savait pas qu'Abraham n'était pas juif Qui croyait qu'Abraham était juif Il n'était pas juif, il était hébreu. Amen. Voilà. Voilà. Donc, euh, et, euh, Jacob non plus n'était pas juif. Qui a un peu choqué. <laughs> hein Comment Tu pensais qu'il était juif Non. Ça c'est une parenthèse. Juif vient de Judas, judaïsme, tout ça là. Amen. C'est après l'exil de Babylone. Voilà. Maintenant, quand tu, tu vois, voyez Noé avec sa famille sauvée, sa femme est sauvée, ses enfants sont sauvés, les femmes de ses enfants sont sauvées. Quelle famille Waouh Quelle harmonie Et ensuite on voit et, euh, et euh, comment dire On voit Isaac. qui a préparé le futur de ses enfants, de son enfant, notamment Isaac. Comment Abraham a préparé Isaac, tout ça, il a formé. En fait, les, 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 les premiers éducateurs des enfants, c'était, bibliquement parlant, chez les Hébreux, hein, c'était les parents. Les parents. À un moment donné en France, une loi devait être votée, promulguée, promulguée votée, tout ça, votée, promulguée. Et euh, pour sanctionner les parents dont les enfants sont euh, dans la délinquance ça c'est une bonne loi bien sûr parce que ces parents là ils vont prendre ils vont faire beaucoup d'enfants excusez moi mais euh, certaines de ces femmes là sont comme des poules pondeuses là. Hmm on va en parler un peu là quand même et ça ne réfléchit même pas. Ça fait des enfants, ça fait des enfants parce que derrière il y, la, il y a la mentalité des allocations familiales. Voilà. Donc pour ces femmes, pour ces couples, un enfant égale dollars, un enfant égale billet de banque. Il y en a même qui ont trois, quatre femmes ici en France. Oui. 19 enfants, 15 enfants. À l'allure où ça, ça va, à la où vont les choses, là, ça va être chaud ici en France. Hein. Donc, c'est terrible. Ça, je n'avais même pas prévu de parler de cela, mais je sens qu'il faut que j'en parle. Allocation, allocation, femme seule, enfant, tout ça, là, ça fait des enfants, ça fait des enfants. Pourquoi Parce que les gens ne veulent pas travailler. Hein, et chaque mois, vous allez voir une femme qui ne travaille pas. Chaque mois, il va n'est-ce pas, à recevoir euh, euh, gratuitement euh, 2000 euros. Comment voulez-vous qu'une telle personne aille travailler Vous vous rendez compte Maintenant, ce couple-là qui prend autant d'argent, s'ils ont 5 enfants, ils prennent tout, tout cet en plus, ils ont la carte famille nombreuse, il y en a, ils ont 30%, 60%. Vous voyez 70%, je crois. Donc, beaucoup d'avantages. Et plein d'autres. Tu vois, c'est. Reste du cœur, ils vont se servir. Hein Tout ça. Là, c'est juste une parenthèse. Je vais... Et on ose insulter la France. Mmh. Bref. Mais non ces, ces familles-là prennent de l'argent la, sur leurs enfants, l'argent de leurs enfants, mais ces parents ne prennent pas le temps d'éduquer ces derniers. Mais laissent traîner des enfants de 12 ans, traîner, les laissent traîner à 22 heures. Une fois je rentrais du travail, je rentrais de, 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 du travail. Oui, on travaille, c'est un travail, bien sûr. Qu'est-ce qu'il fait <laughs> Alléluia. Donc, j'arrive sur un feu dans ma ville à 22h20 à peu près. Je vois cinq enfants. L'aîné devait avoir 14 ans. Le dernier devait avoir 5 ans. Des enfants français mais d'origine africaine. Je m'arrête sur le feu, je baisse la vitre, je leur dis, mais entrez chez vous! Vous faites quoi ici? <laughs> On dit, mais écoutez, à 22h20, 22h30, ça traîne dehors. Et si vous allez chez, chez eux, vous allez voir, papa a trop bu. Oui, il n'a pas trop le temps parce qu'il a une autre, une autre femme quelque part. Maman est débordée, fatiguée, la pauvre. Elle a tellement accouché, elle a tellement donné. Donc imaginez maintenant ces enfants-là. Ça va voler dans les magasins. Quand ils ont des difficultés à l'école, il ben, n'y a personne à la maison pour leur venir en aide. Ben, ce sont des futurs délinquants. Voilà. Même ce, même ce ne sont même pas des futurs, ils le sont déjà. Donc quand le gouvernement a dit qu'ils allaient voter une loi pour sanctionner ses parents, je vous dis alléluia. Vous retirez les allocations familiales, et bien vous allez voir les parents ils vont se réveiller. Voyez, c'est-à-dire l'État vous donne de l'argent, vous donne un salaire pour que vous puissiez aider vos enfants les éduquer, et vous ne le faites pas. Donc, tout ouvrier mérite son salaire. Donc, comme vous avez un salaire que vous ne méritez pas, ben, on vous retire cet argent-là. Et ensuite, on vous retire les enfants. Voilà. Parce que, je me rappelle un jour, j'étais dans le train, je rentrais euh, euh, sur Palaiso, sur Paris, enfin, je, je rentrais sur Palaiso, pardon, sur Longemont, il y avait des groupes de jeunes comme ça, un groupe de jeunes sont venus, il y en a un dans le train, il a craché dans le train. Il doit avoir 15 ans. Vous vous rendez compte La famille. Et souvent, vous allez voir aussi, c'est les parents des chrétiens, des parents des croyants. Il y a un problème là. Et quand vous vérifiez, vous allez voir que le problème, ce sont, ce sont les parents, parce que les enfants, là, vous allez, vous avez ici un arbre, et là vous avez les fruits. Les fruits, ce sont les enfants, comme la parole le dit, hein, on l'a vu hier. Mais ben, les racines, là, ce sont les parents. L'arbre, là, c'est la famille. Il eh ben, faut soigner les racines. Voyez, ce soir, on va parler de ça, comme par rapport à la question du frère, mais parlons d'abord du sceau. par rapport à la famille spirituelle. On ne peut pas être membre, donc il y a la famille physique et la famille spirituelle aussi. La famille, euh, famille physique, matérielle, biologique. Et, euh, et nous allons rapidement parler de la famille spirituelle. Nous sommes dans Ephésiens chapitre 1er, Ephésiens 1, Éphésiens 1. D'abord, Ephésiens 3. Ephésiens 3 le verset pardon verset 14 à cause de cela je fléchis mes genoux c'est ça devant qui devant le père notre seigneur jésus-christ et le père amen donc, ça, c'est la dernière version de la BJC. Donc, il y avait, pour ceux qui ont la ancienne version là, ou d'autres versions, ils ont rajouté un partitif, le partitif 2. Hein donc, euh, donc euh, je fléchis les genoux devant le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute la famille dans les cieux et sur la, ti sur la terre tire son nom. Vous voyez Tire son nom. Donc, au ciel, il y a une famille. Et sur la terre également, il y a une famille. Au ciel, bien sûr, il y a la famille de Dieu. Et, euh, et sur terre, ben, c'est la famille des hommes. Et sur terre, la famille des hommes hein, est, est séparée en deux, donc il y a les, les, les croyants, les chrétiens, les, le corps de Christ et les autres euh, peuples, croyants, d'autres religions ou euh, euh, athées. Maintenant parlons de la famille céleste, et euh, Paul nous dit que la famille céleste tire son nom du Père, parce que le Père est le géniteur. Et comme vous le savez, on ne peut pas être membre de la famille du Seigneur, la famille céleste, si on n'est pas, si on n'a pas une relation avec le Père, le Père céleste. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes se disent des chrétiennes, mais elles n'ont pas une relation personnelle avec Dieu. Ça se voit de par leur comportement. Elles accompagnent la famille de Dieu lors des réunions, comme ce soir, mais elles ne sont pas membres de cette famille. Le Seigneur dit N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, mais l'un de vous est un diable. Pourtant, Judas portait le nom d'apôtre. Le titre d'apôtre, la fonction d'apôtre. Il était dans cette fonction-là, mais il n'était pas de Dieu. Donc il y a le blé et l'ivraie. Et le fondement de la famille, c'est le Père. Le Père céleste. Alors, on connaît tout ce, ce passage de Jean, chapitre 1er, au verset 12. « À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné, elle leur a donné le pouvoir. » Donc, pour être membre de la famille de Dieu, là, la première des choses, c'est le fondement. Le fondement, c'est le père fondement, tout ça. Et deuxièmement, il faut un pouvoir. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir, les capacités de devenir enfants de Dieu. Technon, c'est-à-dire descendants de Dieu. Et euh, malheureusement, Satan est arrivé. Satan a fait croire aux gens, fait croire aux gens que l'on peut être enfant de Dieu juste en ayant une carte de membre. Ça, on a, on a compris que c'est faux. Qu'on peut être enfant de Dieu juste parce qu'on est membre d'une église locale. C'est complètement faux. Complètement faux. Et quand nous disons aux gens que beaucoup d'églises ne sont pas du Seigneur, que la plupart ne sont pas du Seigneur, beaucoup de gens disent Mais il exagère ce monsieur, il se prend pour qui là Et ils pensent qu'en en, en, en parlant ainsi, euh, nous voulons construire notre église, casser les autres églises pour en construire une pour attirer les gens chez nous, c'est complètement faux. Au contraire, nous ne recommandons aucune église. Mais nous constatons que Satan a réussi à faire croire aux chrétiens que le fait d'être membre d'une église, le fait d'être régulier à l'église, le fait de donner sa dîme, de payer, de, 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 de connaître un pasteur, un prophète, de chanter dans une chorale, c'est cela être enfant de Dieu. C'est complètement faux. Il faut avoir reçu personnellement ce pouvoir. -là. Et celui qui l'a reçu le sait. Donc celui qui l'a reçu n'a pas besoin d'aller chercher un prophète pour son problème quelconque, pas du tout, à moins que Dieu ne lui dise va voir telle personne et Dieu parlera à la personne. Ce pouvoir te permet bien sûr de chasser les démons, te permet, n'est-ce pas, de lutter contre le péché à tous ceux qui l'ont reçu. Reçu quoi la parole Re reçu qui le seigneur reçu quoi la lumière car au commencement était la parole la parole était tournée vers dieu et dieu était la parole en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes et tout ce qui a été, et rien de ce qui a été créé n'était créé sans la parole et on nous dit que cette lumière est venue et euh, voyez et ensuite on nous dit que il a donné le pouvoir de devenir donc nous devenons enfants de Dieu. Nous ne naissons pas enfants de Dieu. Tous les hommes, ça vous le savez, naissent enfants du diable. Quand j'entends des gens dire, des gens disent, oh, moi je suis enfant de Dieu. Euh, oui, mais j'ai toujours été enfant de Dieu. C'est faux. On le devient. Et lesquels sont nés ils sont devenus enfants de Dieu le jour où ils sont, où ils sont nés, non physiquement, mais nés d'en haut, ça vous le savez, nés de nouveau, où ils ont été régénérés. Et on nous parle ici des esprits qui sont nés de nouveau, nés d'en haut. Donc, la famille de Dieu est une famille des esprits. C'est une famille spirituelle, une famille composée d'esprits, d'hommes et femmes régénérés, renouvelés, ressuscités. C'est pour cela que Paul parle de l'homme spirituel qui discerne de tout ou juge de tout. Et cet homme, cette femme spirituelle, est capable de cerner, de discerner, de reconnaître les esprits de ce monde démoniaque et l'esprit de Dieu parce qu'il est il a reçu le pouvoir pour discerner il n'a pas besoin du témoignage des autres sur un frère sur une sœur non non parce qu'il a l'attestation de l'esprit au niveau de son esprit alléluia et euh, le Père est esprit. Dieu est esprit. Donc il engendre des esprits. C'est pour cela que l'enfant de Dieu qui est esprit comprend les choses spirituelles. Donc du coup, comme il est esprit, s'il est entouré de charnels, ils ne vont pas le comprendre. Ils ne vont pas non plus comprendre son langage. Il va voir des choses à l'avance, il va parler, les gens vont dire non, c'est faux. Mais pourtant, il voit. Il dit, mais es comme ça. Non, non, je ne suis pas comme ça. Merci. Tu perçois ces choses, tu vois ces choses, tu discernes, tu sens ces choses. Tu ne perçois pas tout, mais tu perçois certaines choses. C'est pour cela, automatiquement, le jour il va naître d'en haut. Il va être en opposition vis-à-vis -vis des charnels. On nous dit qu'il y en avait deux, deux enfants dans une famille, la famille d'Isaac. Esa, Esaü était charnel, c'est écrit. Jacob était spirituel. Vous voyez, il y a eu la guerre. Celui qui est né selon la chair persécuté, celui qui est de la promesse, qui est né selon l'esprit. D'où le combat avec les religieux, le combat avec les gens de ce monde, d'où la persécution. Et lesquels sont nés donc on reçoit le pouvoir, on est né. Hein, donc la naissance. Et là, quand on reçoit ce pouvoir, donc on est né, né d'en haut, bien sûr, que se passe Né d'en haut. Comme le Seigneur disait à Nicodème, si quelqu'un... « Ne naît d'eau et d'esprit. Wow. » Waouh Il ne peut voir le royaume des cieux. Donc on sait que la naissance d'eau, c'est la parole, la naissance d'esprit, n'est-ce pas C'est la régénération, le renouvellement, c'est la repentance, c'est le baptême de l'esprit. Donc on parle bien de la naissance d'esprit. Celui qui est né, prenons la parole, prenons la parole. On insiste là-dessus, on parle du saut bien sûr, mais il y a des choses qui me viennent à l'esprit, merci Seigneur. Ça ne sert à rien de vouloir expliquer des choses aux gens qui sont charnels. Ils ne vont pas comprendre. C'est pour ça que le Seigneur expliquait tout dans les coulisses aux gens qui étaient préparés. Avec la foule, il parlait en parabole. Et il dira par la suite on ne donne pas les choses saintes aux chiens. Jean chapitre 3. En vérité, en vérité, je te dis si quelqu'un nous naît d'eau, nous hein, naît d'Ao, le verset 3. En vérité, en vérité, ou encore Amen, Amen, je te le dis. Si quelqu'un ne naît d'en haut, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit Comment un homme peut-il naître quand il est vieux Donc lui, parle de la naissance physique, bien sûr. Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître une seconde fois Jésus répondit En vérité, en vérité, je te le dis. Si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Donc, ça, c'est la famille charnelle, biologique. Et ce qui est né de l'esprit est Dis à ton voisin, tu es un esprit avant toute chose. Avant, tu étais d'abord charnel. C'est pour cela que tu aimais les choses de ce monde. Maintenant que tu es esprit d'abord, ensuite charnel, donc les choses spirituelles sont prioritaires. C'est pour cela qu'il a dit, premièrement le royaume. Vous commencez à comprendre. Alléluia C'est pour cela que le message du retour à la parole ne peut être compris que par les esprits. Jésus dit dans Jean 6, 63, Mes paroles sont esprit et vie. Donc l'évangile ne peut être saisi que par les esprits. Amen. Tu peux avoir Bac 15. Tu peux parler correctement le français ou l'anglais, l'arabe, tout ce que tu veux, même l'hébreu. Et lire la Bible en hébreu, dans sa langue originelle. Si tu n'es pas, si tu es charnel, si tu n'es pas un esprit tu ne comprendras pas le message qui est contenu. On nous dit qu'il le, le, y avait deux Adam. Le premier était charnel. Le deuxième, spirituel, esprit. Donc ce que charnel était avant, était là, premièrement, vrai ou faux. Ensuite, l'esprit est venu après. Vous voyez, non? Donc, nous étions d'abord charnels, Adam. Ensuite, nous sommes devenus des esprits. C'est pour cela que Paul dit l'homme spirituel juge de tout, discerne de tout. Il dit je vous parle comme des hommes charnels, des enfants en Christ, des ignorants. Il y a des enseignements que Dieu peut nous donner. Là, on veut le donner, mais les gens, ils ne sont pas, ils captent pas. Tu dis, ma soeur, là, je vois quelque chose qui va Ah non, non, je... oh, Dieu dit, il faut laisser. Mais il peut perdre 10 ans comme ça. Là. 10 ans. L'homme spirituel voit les choses 15 ans, 20 ans avant les autres. C'est ça l'Église. Parce qu'en tant qu'Esprit, tu es hors du temps. Et c'est Dieu, par son esprit, qui gère nos esprits. Nous ne sortons pas de nos corps. C'est Dieu qui prend nos esprits et qui peut les amener à sortir pour voir le monde, le monde spirituel, nous donner des révélations et nous ramener. Et Satan fait voyager les esprits, c'est ça, euh, ça c'est la sorcellerie. Ceux qui sortent de leurs... Leur, leur, comme des pasteurs qui disent qu'ils sortent de leur corps pour aller visiter ici et là, ça c'est la sorcellerie. Jean était transporté en esprit, parce que c'était un esprit habitant un corps, un esprit qui était debout, qui était réveillé dans un corps. Je ne sais pas si je veux me fais comprendre. <laughs> Alléluia. Tu es un esprit dans un corps. Le corps était réveillé, l'esprit était mort. On parle de Dieu, non, non. on parle de choses, non, le retour de la parole, non, le, le, le choix, Mais quand tu es né, le jour où tu es né d'en haut, Dieu a pris ton esprit qui était pourri, qui était mort. Il a ressuscité. Tu vois, non? Et il a amené au ciel, né d'en haut, c'est ça. Il a amené au ciel. Il a réparé là-bas sur le trône, depuis le trône. Il a réveillé, ressuscité. Réparé, corrigé, tout ce que tu veux. Intègre ton corps maintenant là. Et il a mis dedans la présence du Saint-Esprit. C'est pour cela, quand les gens étaient nés d'en haut, ils pouvaient prophétiser, ils pouvaient parler de diverses langues, ils portaient les fruits de l'Esprit, parce qu'ils étaient maintenant des esprits. Et ils peuvent discerner quand il y a un esprit démoniaque là. Vous comprenez Alléluia. Quand la ne prophétisait, Paul était un esprit. Il a cerné que ça, ce n'était pas Dieu. Amen. La famille spirituelle. C'est une famille terrible. Une famille composée d'esprits que Dieu a laissé sur terre dans des corps, enfermés dans des corps. Et Paul disait Je suis pressé de deux côtés, je suis pressé de m'en aller. Parce qu'il était concerné son esprit, était connecté au ciel, à l'esprit de Dieu. Vous voyez Esaïe était réveillé en esprit. Jean, réveillé en esprit. Donc c'est ça la famille. L'église, c'est un, une assemblée d'esprit. Vous voyez Paul dit, vous et mon esprit. Vous voyez dans 1 Corinthiens 5, état assemblé. C'est ça. Lorsque on parle de la communion spirituelle, c'est quoi? La communion fraternelle. C'est l'unité en esprit. C'est ça qu'il faut comprendre, frères et sœurs. Alléluia! C'est ça la famille de Dieu. Vous comprenez? C'est pour cela que quand vous dormez vous avez des songes, des visions, tout ça là. Un mari de nous qui veut t'attaquer tu le vois. Une femme de nous qui veut t'attaquer tu vois. Un sorcier qui vient Dieu te montre son visage parce que tu as un esprit que Dieu utilise. Jesus Christ. <laughs> Oh mon Dieu. Quand Jésus dit veiller, il veut dire quoi? Que ton esprit veille. Quand Paul dit prier sans cesse, c'est pas physiquement comme ça, on ne peut pas physiquement. Parce que le corps on ne peut pas tenir comme ça sans cesse. Mais ton esprit, ton esprit doit se nourrir de la parole pour qu'il veille toujours. Comme une sentinelle. <laughs> la famille spirituelle. Donc vous voyez comment Satan nous a réussi à, 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 à tromper. Il a réussi à tromper beaucoup de gens. Il leur a fait croire que le fait d'être membre d'une église locale, c'est ça, être enfant de Dieu d'abord. Non, c'est le fait d'être d'abord dans le royaume spirituel. C'est pour ça que le Seigneur parle du royaume ici. Il te prend, tu es né dans le royaume et non dans une église quelconque. C'est ça, la famille de Dieu. Jacques 1 nous dit au verset 18, Jacques 1, 18, « Il nous a engendré » qui Le Père, oh mon Dieu, ça commence à être intéressant ici. « là. Il nous a engendré » regardez bien, on nous dit qu'Abraham engendra qui Il a engendré qui Qui pouvait toucher, toucher Isaac Quand l'héritage d'Isaac était menacé, Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont chassé Ismaël en tant qu'enfant de Dieu, esprit entre les mains de Dieu. Tu as un héritage, tu es héritier. Toute personne qui veut détruire ton héritage, Dieu va l'écarter de toi. Jesus tu comprends ça Jesus. La famille spirituelle. Oh Seigneur, aide-nous à comprendre ces réalités spirituelles. Isaac a été engendré pour posséder son héritage. Donc le Père maintenant céleste est plus grand qu'Abraham. Et c'est lui qui t'a engendré. Ce n'est pas quelqu'un qui a péché. Lui n'a jamais péché. Il est esprit. Regardez. Oh Seigneur, sauve-nous. Vous voulez que je parle? Hmm. Les gens ont cru que le fait d'être en costume et cravate, c'est ça être enfant de Dieu. Le fait de s'habiller pour le dimanche, c'est ça être chrétien. Ils n'ont pas compris qu'ils sont esprits. Qu'ils doivent s'habiller en esprit. Alléluia. Seigneur, sauve-nous. Église, réveille-toi. <laughs> il va nous réveiller, mes amis. Je vous dis, <laughs> on va comprendre. Tu comprends pourquoi, là où il n'y a pas la présence de Dieu dans cette église, là, tu, tu ne peux que t'ennuyer. Toi qui es l'esprit réveillé, tu dis, mais Dieu n'est pas là. Je, tu, ce n'est pas de l'orgueil. Tu es un esprit. Jesus. <laughs> église. Non. Que Dieu nous aide. Amen. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas... Le Seigneur a dit, il dit, il y a beaucoup de choses que j'aimerais vous donner, mais vous vous enseigner, mais vous n'êtes pas capable, vous n'êtes pas prêt. Ces choses sont à la porte, ne sont pas à votre portée. Oh Seigneur, sauve-nous. Église, où es-tu Famille de Dieu. L'Église est tellement, les Églises sont tellement charnels qu'elles vont penser que le fait d'avoir un bâtiment, c'est ça l'Église, donc il faut absolument y aller parce qu'il y a un bâtiment. Et ceux qui sont dans une maison, ils n'y vont pas. L'église est tellement charnelle, tellement charnelle que euh, les gens pensent que, euh, mes amis, c'est le, le fait d'avoir un hôtel, hein, d'avoir un pupitre, d'avoir des tapis rouges, d'avoir une croix physique, c'est tout ça dans l'église. La première église était tellement spirituelle, elle était tellement composée d'esprit qui n'y avait aucune cathédrale, aucun bâtiment, aucun pupitre, aucune chaire, aucune estrade. <laughs> mes amis, ils étaient, ces hommes et ces femmes étaient eux-mêmes des temples, étaient eux-mêmes, mes amis, des sacrifices, étaient eux-mêmes des prêtres. Regardez la puissance. C'était une église influente, influente dans le monde. Jesus Christ. Au point où l'ombre de pierre, mes amis, guérissait les malades. Alléluia. Gloire à Dieu. Jesus Christ. Alléluia. Je, Dieu insiste que il veut que tu saches que tu es d'abord un esprit engendré au ciel tu as goûté aux choses célestes il t'a ramené sur terre maintenant pour que tu fonctionnes comme un esprit habitant corps physique nous sommes dans Zacharie chapitre 12 vous allez dire mais qu'est-ce qu'il nous raconte dis à ton voisin tu es un esprit habitant encore. Mmh. servant Dieu par un par, par Dieu qui est esprit engendré par le Dieu qui est esprit fonctionne comme un homme spirituel, un homme spirituel. alléluia Amen. Zacharie chapitre 12 vous voulez qu'on parle non Amen. Seigneur parle nous verset premier regardez bien lisons ça à haute voix tous ensemble frères de sœurs à haute voix tout le monde y est on attend, on attend, on est tout excité là, mes amis, là, ça vient. 1, 2, 3, prophétie de Yahweh sur Israël. Ainsi parle Yahweh qui a étendu les cieux et fondé la terre et qui a formé. Alléluia! 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 Alléluia <laughs> qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. te au-dedans de moi. Il y a un esprit. C'est moi. Cet esprit qui est moi est dirigé par le Saint-Esprit. L'esprit de vérité. Donc je ne peux que parler de la vérité. L'esprit de sainteté. Donc je ne peux qu'être saint. Alléluia 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 Jesus Christ. Oh Seigneur, Dieu a formé l'esprit de l'homme. Formé là, c'est terrible. Hein? Il a pris soin. Il a fait Quand il a formé Adam déjà, cet esprit est tombé mort, malade à cause du péché. Il est venu de nouveau. Il a quand le jour de ta conversion, il a pris ton esprit. Il a amené dans le royaume céleste. Il a formé bien comme il faut. Mon Dieu. Il a rempli du Saint-Esprit. Nous sommes dans Job 32. Seigneur, enseigne-nous ta parole. On a besoin de, de, des oracles du Seigneur. Job 32, lisons le verset 8, à haute voix. Oh Seigneur, merci. Job chapitre 32, le verset 3. Verset 8. On y va. En vérité, en l'homme, il y a l'Esprit, le souffle du Tout-Puissant qui le rend intelligent. Christ. Alléluia. Wow. Donc la famille de Dieu est une famille spirituelle, famille céleste, composée d'esprits. Ce qu'on appelle les esprits humains. C'est-à-dire mon esprit, ton esprit. Regardez, 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 regardez. Regardez. 1 Corinthiens 5. Il faut d'abord que tu comprennes qui tu es. 1 Corinthiens chapitre 5, regardez bien. Alléluia. Regardez. et euh, Verset 3, est-ce qu'on peut le lire tous ensemble à haute voix 1, 2, 3, mais moi, étant absent de corps, mais présent en esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent. Celui qui a commis une telle action. Verset 4, vous et mon esprit étant assemblés. Amen. C'est ça l'église. C'est l'assemblée des esprits. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, c'est l'assemblée, pas l'assemblée physique. Amen. <laughs> Les gens croient que c'est l'assemblée physique. Je vais vous choquer. Moi aussi, je le croyais jusqu'à ce soir, pour vous dire la vérité. À, 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 à. On acclame le Seigneur. Je vous dis que je ne suis pas un enseignant. Il y a quelqu'un qui m'enseigne en même temps que vous. Est-ce que Paul ici était physiquement avec les Corinthiens Mais il parle d'une assemblée. Vous et mon esprit, il dit présent, je ne suis pas là, je suis absent, mais vous et mon esprit étant assemblés, va faux <laughs> frère. Oh Jesus Christ, ça c'est magnifique. L'Église de Dieu, <laughs> tu peux être en Guyane, moi ici je dis frère, on est un, on est ensemble. Alors prie là-bas, je prie ici, nous sommes assemblés. Au nom de Jésus, en tant que membre de l'église, nous intercédons, nous prions. Alléluia! Alléluia! Jésus Oh Seigneur! Satan nous a trop aveuglés. Hein. Mais le temps du réveil est arrivé. L'heure de se lever du sommeil pour préparer le retour du Messie est arrivé. Alléluia! L'église doit comprendre sa dimension spirituelle. Jesus Christ. Alléluia. Wow. Regardez l'église unie. Regardez la famille spirituelle. Pierre en prison. Mais l'église ne cessait d'adresser de prières à Dieu pour lui. Mon Dieu. Et il les a fait là-bas, frères et sœurs. L'Ecclesia. La famille de Dieu. Alléluia. Jesus. des rouleaux je vous ai envoyé des rouleaux mes fils et mes filles saisissez la dimension de ma parole saisissez saisissez ne soyez pas distrait saisissez saisissez ouvrez grandement vos oreilles ouvrez vos cœurs saisissez saisissez j'ai envoyé mon esprit accompagné de cette parole pour vous Jean Seigneur. saisissez car je suis en train de vous préparer Oh. Ah, Dieu brise ces cocons qui étaient de prison pour beaucoup, pour nous tous là. Il nous libère de ces cocons là pour qu'on réalise qui nous sommes. Ce que nous sommes en Christ. Jésus-Christ. Regardez la famille de Dieu. Nous sommes... Relié à la tête, assemblé avec la tête. Est-ce qu'on voit Christ physiquement Non. Donc l'assemblée quand le Seigneur dit là où deux ou trois s'assemblent à mon nom je suis les deux, il parle des esprits d'abord, parce que l'on peut s'assembler physiquement et ne pas être dans la présence de Dieu. On peut être, on, peut, on le voit dans les assemblées physiques. Ils s'assemblent mais Dieu n'est pas là. Mais quand les esprits sont déjà assemblés à Christ et qu'ils se retrouvent physiquement, ils n'ont pas besoin de prier beaucoup. Là quand ils se retrouvent déjà là, il y a quelque chose. Quand un mari a rencontré Elisabeth, il n'y a pas eu besoin de jeûner pendant des temps, de prier pendant toute une nuit. La simple rencontre a déclenché quelque chose. Alléluia! Jesus. Wow. Dieu, aide-nous. Aide-nous. Vous n'avez pas encore expérimenté cela Vous rencontrez quelqu'un, un frère, une sœur, quelque part, vous êtes à trois, même dans la rue, vous que ça vous saisit comme ça, là dites, Mais qu'est-ce qui nous arrive, là Vous commencez à parler, à témoigner, tout, mais il y a quelque chose, là. Il y a quelque chose, là. Parce que dans l'esprit, vous êtes déjà un. Et physiquement, là, c'est l'accomplissement. Oh La concrétisation, la matérialisation de la réalité spirituelle, de l'unité spirituelle. C'est ça, les clés frères et sœurs. C'est pour cela quand tu étais chez les baptistes, comme tu es un esprit réveillé, Dieu t'a sorti de là. Pas chez les pentecôtistes, tu t'as sorti de là. Dans une église où il n'y a pas. Dieu t'a sorti de là. Parce qu'on dit que tu, dit, tu es un rebelle. Non, il y a quelque chose. Jesus. La famille spirituelle. Il dit mes paroles sont esprit et vie. Il dit, il dit, il dit, ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est ça l'église. Paul dit quoi La chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Donc ce n'est pas ta chair dont Dieu a besoin. C'est pas ta chair Il s'en sert juste pour, comme un véhicule. Mais c'est ton esprit. C'est mon esprit que Dieu veut changer. C'est notre âme. Voyez la famille de Dieu, la famille spirituelle. Le Père est esprit, il a engendré des esprits. Le Père qui est esprit, on ne peut pas le saisir. Donc, toi, on ne doit pas te saisir. Ce qui est, ce qui est né d'en haut est comme du vent. Tu ne sais ni d'où il vient, ni où il parce que l'esprit, c'est le vent. Vrai ou faux oui. Dis à ton je suis en vent. Dis-lui, je suis en vent. Dis-lui, je ne Dis veux pas être cerné, cerné. défini, saisi, impossible. impossible. Car je suis, un je suis un esprit dirigé par le Saint-Esprit, Saint habitant un corps physique. Si je meurs, si je, meurs je, continue je continue de vivre. De vivre. Parce que l'esprit ne meurt pas. Parce que, meurt pas. Parce que mon Dieu est vie. C'est ça la réalité. La famille spirituelle. Donc tu ne dois plus être raciste. Parce qu'en tant qu'esprit, il n'y a ni juif, il n'y a ni grec, il n'y a ni homme, il n'y a ni femme, il n'y a ni pauvre, il n'y a ni riche. Alléluia. Jesus Donc si toi qui es enfant de Dieu, tu n'attires que les gens de ton pays, il y a un problème. Ça veut dire que tu es charnel. Donc si tu es dans une église africaine en France, il y a un problème. C'est que c'est une église charnelle. Parce que l'Église où il y a l'Esprit de Dieu, qui, qui n'a pas de barrière, qui n'a pas de race, cette Église-là ne peut qu'attirer les nations. Donc, si dans toute Église, il n'y a que des Français, blancs. En France, il y a aussi un problème. Oh, Seigneur, sauve-nous. Le message de Dieu, l'Évangile, mes amis, n'a pas de barrière. Le Royaume de Dieu, mes amis, c'est comme un filet qui est jeté dans l'eau et ça attrape de tout. La famille de Dieu. Donc Dieu prend les esprits que nous étions, les esprits morts, il hein, les a réveillés. Waouh! 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 Connectés au Père. C'est ça, la famille. Et c'est pour ça le Seigneur disait Personne ne peut venir à moi si le Père ne le traîne. Ça sert à rien. Quand j'entends des gens dire C'est moi qui l'ai amené au Seigneur, tu amènes qui au Seigneur. Nous tous, on, disait, on parlait comme ça. Hein Attention. Ah, tu vois le frère, c'est moi qui l'ai amené au Seigneur. Oh, quel orgueil! Oh Seigneur, sauve-nous avec ce langage orgueilleux. C'est le Père qui nous attire. Amen. Paul dit maintenant que vous avez connu Dieu, il rectifie. Non, plutôt que Dieu vous a connu. Vous avez été connu de Dieu. Waouh Il nous a engendrés selon sa volonté. Comment Par la parole de vérité. Afin que nous soyons les prémices de ces créatures. Oh mon Dieu, quelle grâce La famille de Dieu, les prémices et les premiers fruits. Jesus Christ. Wow. Waouh c'est pour ça parfois, quand tu lis la parole là, étant esprit, tu tombes sur un passage comme ça. Oh, je comprends mieux. Oh Seigneur, non, je comprends mieux, Seigneur, mon Dieu. Oh, là, c'est le réveil et c'est la réforme qui commence. Tout ça là. Et tu vas voir tout le monde. c'est écrit là, c'est écrit là. Voilà. Non, non, c'est pas possible. Ah non, le frère la prêche, c'est la parole, c'est la vérité. Oh, Seigneur, tu as parlé à ta maman, ta maman ne t'a pas comprise, mais un jour elle, elle finit par, 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 par te comprendre parce qu'elle est de Dieu aussi. Ah oh, ah. Oh, oh. Faut que j'en parle à tout le monde. Oh, non, non, venez, venez voir un homme qui m'a tout dit. Venez voir. Écoutez ce message, c'est la parole. Tu penses partout parce que tu es réveillé. Oui. Mmh. Vrai ou faux oui. À tes collègues, allez, il faut y aller, on y va, allez, on y va, hein on y va. Les gens disent, mais pourquoi il crie comme ça, il faut qu'il prêche calmement. Vous ne comprenez rien du tout. Ça va venir, le jour où vous allez goûter ça, ça, vous allez comprendre. Waouh. Mmh. Wow. Waouh, Seigneur. Jean dit, il était, il était ravi en esprit. Vrai ou faux Ézéchiel ravi, un wow. est ravi en esprit. Waouh. C'est pour cela que quand tu danses parfois, ou parfois quand tu pries, Dieu te ouvre les yeux. Oh là là, oh je vois des choses. Oh là là, je vois une couronne sur ta tête. Je vois des choses. Mais que Dieu, ton esprit fonctionne. Tout ça, là. Seigneur, merci. Tu t'approches de quelqu'un qui n'est pas net. Tu te sens. Il y comme, comme une euh, irritation. Tout ça. Ton esprit, bien sûr. qui voilà L'Église. La famille de Dieu, la famille spirituelle. Alors nous, on est là, on est là, on cherche des postes, ah, il faut que je sois, ah, il faut que j'ai un poste là-bas, il faut que je fasse. on n'a rien compris là, on dit, prenez tout, prenez tout. Et là le Seigneur vient et il dit dans Ephésiens 1, nous sommes scellés du Saint-Esprit. Oh, quelle grâce Oh, prenons cette parole là. Vous êtes là oui. Alléluia Oh Seigneur, ta parole est vivante. Éphésiens 1, le verset 13. Regardez bien. Pour être membre de cette famille aussi, le Seigneur nous a... Il a mis un sceau. Le sceau. En lui, vous êtes aussi. En en qui vous êtes aussi, après avoir entendu, toujours, hein, la parole du mensonge, de la. Donc, il faut accepter d'entendre la vérité, même si ça te titille. Hein. J'ai l'impression que le frère, il parle de moi. C'est une grâce. Béni Dieu. Alléluia. En lui, vous avez cru. Pas en un en homme, mais en lui. Et vous avez été scellé du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est le gage hein, ou les arts de notre héritage jusqu'à la rédemption de ce qu'il s'est acquis à la louange de sa gloire. Oh, quelle est grâce. Quelle grâce. Celui du Saint-Esprit. Vous savez, quand le Seigneur est mort, on a mis sa, son corps dans, 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 dans une tombe. Et les, les, les Romains, ils ont fait quoi Les Juifs, ils ont, aussi les Juifs, hein, ils, ont, ils ont mis un seau. Ils ont scellé la pierre. Donc plus personne ne pouvait y entrer, l'ouvrir, logiquement. On est d'accord, hein? Donc le seau apporte la sûreté. La sûreté. Waouh. Le seau apporte la protection. Donc ça veut dire quoi? Dieu a mis son sceau sur toi. Aucun démon ne peut plus avoir accès. Bah oui, le seau était mis sur la porte, la pierre qui donnait qui fermait la, la, la tombe pour ne pas que les gens y entrent. Donc même si cette tombe a cette tombe été entourée de plusieurs personnes, personne ne pouvait plus y entrer. Donc même si les démons t'entourent, à moins que toi-même tu n'ouvres la porte, mais ils peuvent t'entourer, t'attaquer, mille à ta gauche, dix mille à ta droite. Bien, soleil. toi, je suis solé! Je suis, je suis caché! Je suis caché. Ah, ah. Oh mon Dieu! On met le sang parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur de, 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 de précieux qu'on doit protéger. Et ce qu'on doit protéger, regardez, ton corps physique est comme, n'est-ce pas? Voilà, cette maison-là, et dedans, il y a ton esprit qu'on doit protéger. Et Dieu est venu avec son esprit. Dieu est esprit. Et il a scellé ton esprit avec lui-même. Dites-moi maintenant, le sceau, c'est Dieu lui-même. Le sceau, c'est aussi comme une signature. Le, le sceau authentifie un acte. Tu peux écrire une belle lettre, une belle écriture, mais si tu ne la signes pas, elle n'a aucune valeur. Donc le sceau apporte. L'authenticité, mon Dieu, alléluia. Oh, alléluia, nous sommes une famille authentique, frère. La vraie famille, c'est nous. Oh, alléluia. C'est pour cela que quand vous rencontrez les vrais chrétiens, ceux qui sont de Dieu, vous n'allez plus voir leurs couleurs, leurs origines. Vous allez avoir l'impression de, 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 de vous connaître depuis des années. Oh. Regardez. Un jour Pierre s'est retrouvé chez les Romains. Et les apôtres lui ont dit Tu es rentré chez les Romains, tu as mangé avec eux. Et il dit Mais c'est pas moi. Le Seigneur m'a dit d'y aller. Hein? Et ils ont reconnu qu'effectivement Dieu a accordé aussi hein, la grâce aux inconvertis pour qu'ils soient sauvés, aux nations, au oh, Seigneur. Vous vous rendez compte? Donc, ton authenticité ne vient pas du nom de ton église. Ne va pas dire, je connais le frère Chora, ça ne sert à rien. Il y en a, ils vont te suivre pendant deux jours, après, ils vont t'abandonner. Parce qu'ils voient qu'il n'y a, y a rien en toi, ils vont dénommer. En fait, euh, ils se sortent de lui. Mais laisse Dieu t'authentifier. Laisse Dieu. <laughs> mon Dieu. Ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, mais c'est celui que Dieu recommande. Alléluia. C'est ça, le saut. Qu'est-ce qui fait que tu es le fils de ton père C'est les traits de ton visage. Et ça le saut physique. On dit, mais tu as, le as les mêmes yeux, tu as le même sourire que ta mère, tout ça. Ben nous, c'est pareil. On n'a pas besoin de dire aux gens que nous sommes de la famille de Dieu. Non. Quand on, arrive, quand, quand on arrive quelque part, les gens le remarquent. Avant ah, même de parler. Vous faites quel métier, monsieur mais pourquoi Mais vous êtes différent. Je suis, je suis différent, effectivement, madame. Mon père est roi. Ah bon Mais de quel royaume alors mais... <laughs> Ça, je le fais. Je pars à l'aéroport, je pars en mission nous, les hôtesses. Ah, vous, ça va, monsieur Vous faites quoi comme si Je suis prince. Ah bon, ah bon Frère Oh non Alléluia Mais ça, comment ça se dit C'est terrible ça « Ah bon, votre père, ouais, mon père est roi. » Parfois, ils ne posent pas de questions. Ils s'en vont, ils vont se parler entre eux. « Son père est roi. » Et puis, tu vois leur comportement changé, hein, monsieur. Alléluia Acclame le Seigneur, frère. Alléluia, gloire à Dieu. Et puis parfois, tu vois les, les autres voisins qui sont là, hein, les autres dans l'avion hein, ou euh, partout, hein, qui, qui te <laughs> regardent. Même s'il y avait des racistes là. Il est différent des autres. Hein. Là où on n'aime pas les blancs, t'arrives je dis « Moi, je suis roi. Mon père est roi. » Et euh, euh, voilà, donc... Euh, Ouh là là, mais c'est vraiment monsieur, mais c'est magnifique ça, c'est... Votre père est... Oui, il a, il, 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 a, il a tout. Mon père, il a tout. tout. Les chrétiens sont dans la médiocrité. Le péché nous rend médiocres. Oh ma chasse de l'église, oh, je n'en peux plus. Oh, et Dieu, Dieu, Dieu dit, mais regarde, ils n'ont rien compris, ils n'ont rien compris cela. fini bientôt Seigneur Jésus-Christ Écoutez Paul enfant de Dieu membre du royaume de Dieu fils de Dieu se retrouve mes amis sur un bateau qui était en péril Il était pris enchaîné 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 avec des soldats romains. Et Dieu envoie un ange pour lui dire, je te confie tout ce monde, enchaîné physiquement. Mais c'était lui le boss. <laughs> Laisse les gens se moquer de toi. Laisse les gens se moquer de toi dans ta galère. Ce n'est pas un problème. Mais c'est toi qui les gères. Dans cette entreprise-là, c'est toi qui gères tout. <laughs> oh mon Dieu. C'est écrit, hein Dans la Bible. C'est écrit. Dieu nous dit, tout ce monde-là, et le patron, et le général à tout le monde, sous tes ordres. Et Paul dit, personne ne mourra ici. Quelle parole Dans ta galère, ne te laisse pas faire. Hein Dans tes épreuves, ne baisse pas les bras. Alléluia. Dis, à, dis aux gens que tu as un Dieu tout-puissant. Le Père céleste. Oh le Père céleste qui a gardé la plus belle robe pour toi Oh, les oh seigneur celui du Saint-Esprit ça porte la sûreté tu es tu es sûr ça porte la protection. quelque chose de céleste quelque chose de protégé quelque chose de secret Vous voyez c'est secret l'intimité Seigneur mon Dieu Ephésiens 430 Quelqu'un peut le lire? Bon, je vais le lire pour vous. Éphésiens chapitre 4, verset 30. Il est écrit Et n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Et Dieu t'a protégé. Scellé, c'est protégé aussi. Hein Il te protège jusqu'au retour du Seigneur. Donc, tu peux dormir tranquillement. Ne viens plus me voir pour me parler des combats que tu subis. C'est normal qu'on t'attaque. Vous avez déjà vu, mes amis, une tombe sans soldats romains devant Vous n'avez pas compris. La tombe de Jésus-Christ était surveillée par des soldats. Vrai ou faux oui. Par des gardes. Vrai ou faux oui. ben alors, c'est normal que les démons soient tout autour de toi. <laughs> Vous voulez nous fatiguer avec vos combats là. Hein <laughs> Dieu va ouvrir nos yeux encore là. Il faut que j'écris aux frères. Arrêtez tout ça là. Moi aussi je suis surveillé là non? Bah ben alors. C'est pour cela que Dieu nous garde comme ça là. <laughs> Grandissons. Vous voyez Gardez comme ça là, celui du Saint-Esprit. Vous ne vous rendez pas compte, le sceau. Vous vous rappelez de l'histoire de Daniel, quand il y a eu ce complot contre lui, les grands de Darius sont allés, n'est-ce pas, le voir pour accuser Daniel. Ils lui ont dit de prendre un décret, hein un, de, un décret selon lequel. lequel si quelqu'un adressait le prière à d'autres dieux, il serait jeté dans la fosse au lion. Et il, il a apposé sur le décret son sceau. Et quand le sceau était apposé sur, une, sur un courrier, il n'était plus révocable. Ça, c'était les hommes. C'était les hommes et Dieu. Dieu qui t'a scellé. Quel est le diable qui va te détruire Une sœur qui, qui, qui est ce soir avec nous, son enfant, son enfant... Ton, ton, ton enfant, ton fils, avec, à quel âge là Quatre mois. Les médecins, l'enfant est malade. L'enfant est devenu tout blanc, tout bizarre. Hein Ou je ne sais pas, tout jaune, je ne sais pas quoi. Voilà, tout pâle, tout euh, faux. Elle, elle a même l'hôpital. Les médecins disent c'est fini, il n'y a plus rien à faire pour l'enfant. Les poumons étaient déjà. Les poumons, c'est quoi les poumons, étaient, les, poumons étaient, les poumons étaient blancs, tout ça fini. Et ils ont dit prépare-toi, donc l'enfant va partir. La soeur n'appelait pas le monde entier, machin, tout ça. Fille d'Abraham bien enseignée. Elle sait qu'elle est un esprit habitant corps, conduite par le Saint-Esprit. Elle a prié pour son enfant, le fruit de ses son, 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 son entrailles. Oh Dieu, l'enfant est... Il est sorti de l'hôpital Depuis Alléluia Oh Seigneur Vous voyez, elle n'a même pas parlé à sa mère qui est pourtant, qui, pourtant elle est chrétienne, sa mère. Prière, 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 prière. Seigneur mon Dieu, des femmes de foi, des hommes de foi. C'est ce que Dieu veut? Des chrétiens matures, Seigneur du Saint-Esprit. Dieu t'a caché, il t'a mis à part, il t'a semé jusqu'au jour de la rédemption, c'est-à-dire jusqu'au jour où Christ reviendra physiquement, visiblement. Dieu nous gardera en tant que membre de sa famille. Et ce sceau, nous l'avons eu à la naissance nouvelle, à la naissance d'en haut, scellé, baptisé dans le Saint-Esprit. Et là, on retrouve l'intimité avec le Père. Yeshua, homme, a parlé beaucoup du Père. Beaucoup. Il nous a donné l'exemple. Il dit tout ce que je fais. J'ai vu le Père le faire. voyez Et dans cette famille-là, justement spirituelle, dont le Père est le, fond de, le fondement, hein, la tête, eh bien, vous avez, bien sûr, et, euh, des hommes et des femmes que Dieu a établi comme aussi des pères, des mères, des pères. En fait, tout le monde a la capacité d'engendrer. C'est cela l'Église. C'est-à-dire, nous sommes appelés à porter des fruits. C'est cela. Des hommes et des femmes capables de produire, d'engendrer. C'est pour cela que Paul pouvait dire, en parlant de d'Onésime, mon fils que j'ai engendré dans les chaînes. On peut t'enchaîner, mais cela ne va pas t'empêcher d'engendrer dans le royaume de Dieu. Et ça, c'est magnifique. Vous voyez Et euh, vous avez des frères et sœurs. Vous avez des hommes qui sont des pères à la foi aussi. On parle de Paul comme un père, pour Timothée, pour Tite. On parle de, de, de Jean qui était des pères. Jean va parler de ses fils. Dans un Jean, deux Jean, trois Jean. C'est tout dans deux Jean, trois Jean. Il dit, je suis dans la joie quand je vois mes enfants, mes enfants, être dans la vérité. Waouh. Et c'est ce qui nous manque malheureusement dans cette famille aujourd'hui. Des pères capables non seulement de reprendre, mais d'encourager des, des, des hommes et des femmes d'aller de l'avant. Mais comme beaucoup de familles physiques sont tellement tordues, à la notion, du, à la notion des parents n'existe plus, ben, les gens ils sont dans toutes sortes de confusions. Des pasteurs doivent, qui doivent être des pères pour encourager les uns les autres à, à servir le Seigneur cherchent plutôt à les détruire, à les tuer, à les étouffer, à les empêcher à répondre à l'appel du Seigneur. Cette famille, du coup, ben, elle devient... Cette famille qui, devient, qui était à la base, certaines familles hein, spirituelles, deviennent charnelles, physiques, où les gens se mangent les uns les autres. Ça, c'est terrible. Et euh, on voit des pères dans la foi, malheureusement, qui pêchent. Le frère posait la question tout à l'heure. Le Seigneur a dit que dans Exode 20, d'abord, il dit qu'il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la quatrième génération. Et euh, il est d'abord question ici des pères, bien sûr, physiques, mais on peut y voir aussi des pères dans la foi. Abraham était à la fois père physique pour son fils, mais père de la foi aussi. Hein, il est devenu le père de la, père de, de la foi de nous tous. Vous allez constater que quand un père biologique pêche, Bien sûr, il peut y avoir des conséquences sur un hein, de ses actes, hein, sur euh, ses enfants, tout ça. Et, et, euh, et à un moment donné, Dieu dit que, dans Ézéchiel 33, par exemple, il dit que les fils ne porteront pas, euh, n'est-ce pas, la charge du péché, du châtiment de l'iniquité euh, de, de leur père. Mais ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que le sang ne se contredit pas. Il précise bien que si ces fils ne suivent pas la voie de leur père. Voilà! Mais s'ils suivent leur voie, ils vont non seulement subir les conséquences de leurs propres péchés, mais aussi des péchés de leur père. Donc, ils seront, parce que les fils héritent doublement de leurs parents. Surtout les fils et les, 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 les premiers-nés. Alors là, ça va être la cata. C'est pour cela qu'il faut qu'un père, dans la foi, comprenne qu'il est membre d'une famille spirituel Qu'il n'est pas un père spirituel, mais un père dans la foi. Et, et que s'il pêche, il va tuer les gens dans l'esprit. Parce que beaucoup de pères de la foi pensent que s'ils pêchent dans les coulisses, il n'y aura pas de conséquences. Parce que personne n'a vu, mais ils n'ont rien compris. Nous sommes des esprits. Et dans le monde spirituel de Dieu, tout comme dans le monde spirituel de l'ennemi, il n'y a pas la notion de nuit, jour, tout ça, temps, ça n'existe pas. Donc, quand tu à l'instant où tu pêches dans le monde spirituel, il y a des conséquences. Comme quand on prend une pierre qu'on la, qu la jette dans l'eau. Vous voyez les ondes? Voilà. La réaction, c'est ça. Et c'est pour cela qu'il faut vraiment faire attention. J'ai vu plusieurs assemblées être détruites parce que les pères de la foi ont fait n'importe quoi. Je me rappelle une assemblée, d'une assemblée, je me rappelle d'une assemblée où le, le, le pasteur, qui était vraiment un père pour beaucoup de ses frères et sœurs, euh, est tombé dans l'adultère. Toute l'assemblée pratiquement été possédée. Plus de 500 personnes. On a fait des délivrances d'une de, cinquantaine de femmes avec lesquelles il était sorti. Et il y en a jusqu'à présent, c'est 15 ans à peu près, à, après cette affaire, 15-16 ans, leur vie est toujours détruite. Ils sont, ils, sont, ils sont détruits, des couples sont brisés. Je me rappelle d'une sœur qui était sortie avec ce pasteur, mariée. Cette sœur était constamment dans les, dans les hôpitaux euh, psychiatriques. Et elle a fini par divorcer. des familles détruites. Hein. Jusqu'à présent, jusqu'à ce jour, il y a des familles qui sont encore, j'ai des, des, des retours, hein, détruites. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention. C'est pour ça que dans la famille spirituelle, les frères et sœurs, les gens qui, ont, qui sont appelés à exercer des, des fonctions euh, dans la direction, et, euh, qui sont comme des pasteurs, apôtres, docteurs, évangélistes, parce que c'est ça la famille spirituelle. Vous avez des docteurs, vous avez des apôtres, vous avez des prophètes, des évangélistes, tout ça. Vous avez des diacres, vous avez des gens qui ont le don de guérison, le don de vision. Vous voyez, il y a des fonctions. Chacun a une fonction. Et il faut faire attention. Et un père qui n'est pas discipliné. Et très souvent, ceux qui sont disciplinés, on va même les combattre, les attaquer, les critiquer. Pourtant, ils veulent le bien des frères et sœurs. Parce qu'ils sont durs, déjà avec eux-mêmes, comme Paul pouvait le dire je traite durement mon corps. Je le mortifie. Et. Euh il pouvait, en tant que Père de la foi, prendre le bâton, corriger, dans le but d'amener les gens à la repentance. Et ça, ça manque. Il y a un tel désordre dans le milieu chrétien. À cause du péché, ben, beaucoup de chrétiens meurent dans l'œuf. Ils sont comme les avortants. Ils ne répondent pas à l'appel du Seigneur. Vous savez, les pères dans cette famille spirituelle sont établis selon Éphésiens 5, Ephésiens, Ephésiens 4, pour l'équipement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Ils sont appelés à équiper les saints avec les enseignements, avec les conseils. Mais malheureusement aussi, beaucoup de nos frères, dans cette famille spirituelle, beaucoup de nos frères et sœurs sont tellement, tellement orgueilleux qu'ils sont déjà arrivés. Ils n'ont même pas le temps de poser des questions parfois par rapport à la vie tout court. Moi, je vois même dans notre famille spirituelle, je parle dans le monde entier, pas seulement ici. Des jeunes qui se marient, qui ne demandent même pas conseil, ils, ils, com ils comprennent tout, ils savent tout. Ils sont libres. Il y en a, ils vont te parler, non, mais moi, je suis connecté avec le Seigneur directement. Oui, mais ils oublient aussi quelque chose. Oui, nous sommes connectés au Père, nous sommes d'accord. Mais quand on voit Paul, comment il, si Paul a réussi son appel, c'est aussi parce qu'il avait compris cette réalité-là. Le fait d'être dans un corps. Il pouvait se retrouver avec Pierre, avec Jacques, avec Jean. Cette notion de famille, cette notion de pouvoir demander conseil aux autres, beaucoup ne l'ont pas. Ils sont solitaires. Mais moi, quand je dis je suis seul, je suis seul. Les gens parfois ils comprennent mal les choses. Je suis seul par rapport à l'appel que j'ai reçu par rapport à la, à, à, au fait de crier comme ça. Hein, euh, chacun doit faire ce que Dieu lui a confié de faire. Mais j'ai des frères et soeurs dans le monde entier. Avec lesquels je partage. Quelqu'un a ramené deux caméras professionnelles. Et je devais les donner à quelqu'un. Je demandais conseil à un frère. Il m'a dit Non, non, tu attends. On va s'organiser autrement. Et heureusement, il a parlé comme ça. Donc, quand je vois des chrétiens, qui ont la... il y en a beaucoup qui ont la pelle, qui ont des talents de grâce, mais ils sont tellement imbus d'eux-mêmes à cause de la chair. Et ils vont tourner en rond des années des années. J'ai reçu le coup de fil d un, d un... la dernière fois. Il y a un frère qui a des talents terribles de grâce, mais waouh wow. Le Seigneur m'a dit il faut l'aider. Comme un père, il faut lui donner des conseils, comment ça fait un, un travail, la formation, tout ça. Mais il s'est comporté n'importe comment. Et je savais qu'il allait perdre des années, qu'il allait revenir un jour, mais ça allait être trop tard. Parce qu'après, il n'y a plus la confiance. Et là, effectivement, il a tout fait pour me joindre il y a quelques jours. Et on a discuté. Il parlait. Il disait la formation que j'ai reçue, ça m'apporte beaucoup, tout ça. Mais tu sens qu'il y a du regret. Et il a perdu beaucoup de temps. Je ne parle pas forcément de moi. Je parle de d'autres pères, d'autres frères et sœurs. Si quelqu'un vient vous voir dans cette famille spirituelle pour vous dire qu'il est votre père dans la foi, fuyez-le. Si quelqu'un vient vous voir pour vous dire qu'il est votre mère, dans la foi, fuyez. On n'est pas là en train de chercher ce titre pour ses fonctions. Ce n'est pas ça le message. Comprenez ce que je dis. Ce que je dis simplement, nous sommes dans une famille, euh, famille spirituelle. Il y a des frères et sœurs qui ont la pelle, mais qui passent à côté à cause de leur orgueil, à cause de l'éducation qu'ils ont reçue de leur famille biologique. Parce qu'ils n'ont pas, ils ont pas, eux, connu de père modèle, de mère modèle. Donc, quand ils arrivent dans le Seigneur, dans la famille spirituelle, ben, ils vont transposer, vous voyez, euh, ce qu'ils ont vécu dans la famille biologique hein, à euh, dans la famille spirituelle. Donc, du coup, ils font du surplace, du surplace, du surplace. Moi, j'ai un père de la foi qui m'a annoncé l'Évangile, les bases. Jusqu'à ce jour, je peux lui partager les choses, lui encourager. Ah, C'est ça la famille spirituelle. Et euh, donc. Je ne dis pas « allez chercher des pères de la foi », ce n'est pas ça mon message, comprenez bien. Je dis simplement que nous avons des frères et sœurs. Ces pères-là sont des frères et sœurs. Hein Donc, euh, ces hommes et ces femmes. Mais on a en fait, en gros, on a besoin des uns et des autres. C'est ça la famille spirituelle. Paul était seul dans son ministère, dans son appel. Mais à un moment donné, on va voir quand les saints vont l'entourer, il va reprendre force, courage. Il y a un temps pendant lequel Dieu peut te dire Je veux t'isoler physiquement pendant quelques temps. Ça, ça arrive, il fait ce qu'il veut. Mais on a besoin de la communion avec les saints, avec des frères et sœurs. Pas forcément les frères et sœurs de l'assemblée où toi tu as prié. Il faut qu'on sorte aussi de cet esprit sectaire. Mais des vrais enfants de Dieu dans le monde entier qui sont en Christ, qui craignent le Seigneur, qui l'aiment. Voilà. Des gens forcément qu'on ne connaît pas, mais qui aiment le Seigneur, qui sont ses enfants. Parce que le Seigneur a des, pa des enfants partout. Donc sortons de cette vision déliminationnelle sectaire locale pour comprendre que nous sommes dans une famille qui n'a pas de frontières. Voilà. Et euh, ça, c'est un mal qui nous ronge. Quand on voit Paul qui dit à Thibaut, qui encourage Timothée dans son appel. Tit, et Epaphrodite et paphras, tous ses frères et sœurs, et Vaudi, saint tiche Comment Paul va saluer, n'est-ce pas, Priscille, Achillas, comme un père, dans une génération établie par le Seigneur pour encourager tous ses serviteurs, tous ses servantes, toutes ses servantes. On pouvait avoir des soucis, aller demander conseil à Jean. On pourrait avoir des soucis, à aller demander conseil à Pierre. Et beaucoup perdent du temps. Dans cette famille spirituelle, vous avez des aînés dans la foi. Vous avez des vieillards. Paul dit « Ne reprimande pas rudement le vieillard, considère-le comme un père. » C'est terrible et les femmes agissez comme des mères. Je vois des jeunes femmes qui se marient qui ne vont même pas demander au Seigneur. Elles demandent conseil au Seigneur, c'est bien. Mais il y a aussi des femmes qui ont de l'expérience dans la famille. Vous priez le Seigneur et il peut vous dire, ben, allez demander, allez prendre quelques conseils auprès de cette personne-là. Je ne dis pas qu'il faut s'asseoir là à vie. Non, ce n'est pas ça mon message. Je dis simplement qu'il y a beaucoup de choses qu'on éviterait, beaucoup d'erreurs qu'on éviterait si on était aussi bien conseillé. Regardez bien. Notre génération, dans notre génération, on prend nos aînés, nos parents, nos vieillards, on les enferme dans des maisons, dans des mouroirs, alors que ce sont des bibliothèques vivantes. Imaginez un peu si on pouvait certaines écoles pouvaient fermer ne serait-ce une matinée pour dire à ses élèves d'aller voir ces personnes âgées pour qu'elles que, que leur fassent des cours par rapport à leurs expériences. Tu a des personnes âgées qui n'ont aucun diplôme, mais qui ont beaucoup plus d'expérience, qui peuvent tellement apporter à la, à la nouvelle génération. Mais non, on les déconsidère. Et quand nos vieillards s'adressent à nous, parlent, non, on les déconsidère. Ah, maman, ah, grand-père, ah. Vous vous rendez compte Toutes ces, ces expériences-là gâchées. J'ai vu des jeunes se précipiter dans l'œuvre. Je leur ai donné des conseils. Je leur ai dit, mais la famille de Dieu, c'est une famille. Dans une famille il, a, il a, la famille, il y a des principes et des règles. Ces règles-là, on les voit dans la parole du Seigneur. Paul parle des colonnes. Ceux qui sont considérés comme des colonnes. Ceux qui, étaient, hein, qui paraissaient pour être des colonnes. Non, beaucoup, ils sont déjà arrivés. Ils comprennent tout, ils savent tout. Et puis. Euh, on regarde, on dit bon ben. Allez-y. Vous voyez, dans l'histoire la, de l'Assemblée, de, de, de l'Église, on a des pères. Les Calvinistes, c'est des pères. Les Luther, c'est des pères. Pierre Valdo, c'est des pères. Vous voyez Caco Soverin, c'est des pères. Même si aujourd'hui on le dénigre, hein, hein 15 ans ou 16 ans après sa mort, on va faire des vidéos contre lui par des gens qui ne l'ont même pas côtoyé. Suite à des, des accusations des sorciers, des marabouts. Et on va s'appuyer dessus. On va prendre ces vidéos, faire des montages pour dire c'est un sorcier. Quelle méchanceté cette génération-là. Un peuple qui tue ses, ses propres prophètes, ses propres frères. Et des chrétiens sont là assis sur leur canapé pour écouter tous tout ces mensonges. Nous, quand on s'est convertis en 96, on était jeunes, c'était une belle famille de Dieu. Les pasteurs qui tombaient à l'adultère étaient assis et on les suivait, ils acceptaient. Je me rappelle, mon père de la foi, je pouvais aller le voir pour demander conseil. Et il me corrigeait quand, quand, quand euh, je, ne fais, je faisais n'importe quoi. C'était beau, c'était un modèle. Aujourd'hui, les jeunes, quand on corrige, ils sont... Ils sont ils enflent. Ok. Bonjour, bonjour. Tu regardes seulement. Mais Dieu en juste, tu vas voir que les gens vont tourner, 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 tourner. Ils ne vont pas comprendre. La famille de Dieu. Regardez comment Abraham a aidé Isaac, comment Moïse a aidé Josué. Vous voyez les pères? Comment Elie a aidé Élisée, des pères. Parce qu'il y a un héritage à transmettre. C'est ça être père dans l'œuvre dans, dans du Seigneur. Des pères travaillent pour laisser un héritage. Ça, ils ont cette vision-là. Mais Aujourd'hui, des pasteurs prennent de l'argent, ils mangent, ils mangent, ils mangent, ils mangent tout. Ils ne, ils ne font pas. Dans cette famille, -là, il y a l'héritage. Je ne vais pas, à cause du temps, je ne vais parle pas parler de l'héritage ce soir. Mais un père, c'est qui? C'est quelqu'un qui non seulement va engendrer. Un père, c'est celui qui engendre, mais il ne s'arrête pas à l'engendrement. Il est celui qui éduque par le comportement, par la parole. Il est aussi celui qui fournit les moyens nécessaires pour que l'éducation soit appliquée par l'engendré. Il est aussi celui qui va laisser un héritage à l'engendré. Nous avons aujourd'hui l'héritage de Pierre, de Paul, de Jacques, d'Esaïe. On le lit. Mais toi en tant que en tant que père, en tant que mère à la fois, en tant que quelqu'un qui est amené, en, on va lire, on va, on va, tu vas laisser quoi comme héritage? Oui, il y a déjà la parole, mais dans notre génération, est-ce que tu penses pas que vous ne penses pas qu'il y a des gens qui ont besoin de, de savoir que Dieu continue d'agir aussi maintenant? Pour être encouragé, pour ne pas qu'ils disent oh, il a seulement agi avec les autres. Vous Voyez? Les pères. Nous quand on va réviser la Bible, grâce au Seigneur. Quand, euh, avec les moyens que Dieu nous donne, on va acheter à couronne, euh, comme on a acheté il y a 14 ans, 15 ans maintenant, euh, c'est un héritage. On y était tout à l'heure avec des frères, j'ai vu des, deux sœurs, euh, nos sœurs des Antilles qui travaillent là-bas aussi, et j'ai vu des, des gens de Saint-Martin qui sont venus pour être aidés, pour être soutenus, et une sœur de la Guadeloupe donnait des conseils aux gens par rapport à, par rapport à, à la manière de concevoir euh, leur, un CV tout ça. Donc, c'est un héritage. On n'est pas là, mais l'œuvre fonctionne. Vous voyez Donc, quand on achète ici, quand on achète là, au 24, c'est pour laisser un héritage. Il y a tout ça, là. Donc, c'est ça, être père. Vous êtes appelé. Il y en a qui sont appelés pour être des pères. Je, la, la dernière fois, j'ai rassemblé des, des, des dirigeants d'église pour leur donner des conseils. Je leur ai dit, écoutez, il y a des gens chez vous que Dieu a appelés. Ne les étouffez pas. Même si vous, vous estimez qu'ils euh, sont pressés, ben, S'ils disent qu'ils ont reçu un appel, qu'ils doivent faire le travail, priez pour, pour, pour eux et, comme Gamaliel, laissez Dieu faire son travail. S'ils se sont trompés, ils vont revenir. Et si si c'est Dieu qui leur a véritablement parlé, vous allez vous, vous courez le risque de combattre le Seigneur. Vous voyez? Un père, dans cette famille, les pères sont des gens qui, qui ils sont comme des garants de la doctrine. Vous voyez, ils veillent sur la doctrine. Alors, de par leur comportement, on peut ne pas comprendre, mais ils veillent sur la doctrine parce que leur vie, leur manière de faire doit être, n'est-ce pas, en accord avec la doctrine. Quand on voit Paul, Pierre, Jacques et Jean, c'était des, des hommes, mes amis, euh, euh, inébranlables. Grâce au Seigneur. Et ils ont tenu jusqu'à la fin. Et Timothée pouvait tenir aussi. Pierre, pouvait, les autres pouvaient tenir aussi parce qu'ils ont vu le maître lui-même, Yeshua, notre père dans la foi par excellence. Comment il était avec nous. Regardez le modèle. Il dit, je ne vous laisse pas orphelin. Voilà, parce qu'il y a un héritage, l'esprit de vérité, l'esprit de sainteté. Amen. Pour finir, vous savez... La dernière fois, une fois j'avais réuni des gens que j'ai formés, à l'époque ça date, le Seigneur m'a mis à cœur de dessiner un, un arbre. Je leur ai dit, vous êtes les fruits de cet arbre-là. Et le Seigneur, bien sûr, est la racine par excellence. Hein. Mais les pères, dans la foi, ou vous, l'œuvre que vous pouvez faire ici et là, vous allez être comme des racines aussi. Je dis, si vous voulez détruire la racine, vous vous détruisez vous-même. Et vous allez tomber comme des pourris, des, des fruits pourris. Et c'est arrivé vite. Pam, 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 ils ont tous tombés. C'est la loi de Dieu. La famille spirituelle. Donc vous ne voyez plus les gens en fonction de leurs origines, mais voyez-les plutôt comme Dieu les voit. Cette grande famille que le Seigneur nous a donnée il y a des Chinois et des Arabes, et des Noirs et des Blancs. Il y a des Africains, des Antillais. Donc, il faut qu'on sorte un peu de nos considérations charnelles physiques et qui nous emprisonnent, euh, telles que le racisme, tout ça, le tribalisme, tout ça, et, et l'orgueil par rapport aux études faites, par rapport à un niveau social. Et euh, nous sommes à rien. Dieu seul est le Tout-Puissant. Et c'est lui le véritable Père. Que Dieu vous garde. On se retrouve demain, au nom de Yeshua, notre Maître. Seigneur, merci pour ta parole. Garde-nous, protège-nous, que ta main soit sur chacun de nous. Au nom de Yeshua, notre Maître, demain c'est la dernière soirée, Seigneur. Nous voulons encore recevoir de toi. Nous voulons avancer avec toi, Seigneur. Fais-nous comprendre que nous sommes des esprits, habitants des corps physiques, et qu'un jour nous allons quitter ce corps. Nous sommes des esprits conduits par ton Saint-Esprit. C'est toi qui nous guéris, qui nous conduis. Au nom de Yeshua, notre Maître, nous te prions, Père. Amen. Voilà.